Bon, je fais ce petit film pour mettre en garde toutes les personnes qui ont ce même type de combinaison. Combinaison qui est censée nous protéger contre les abeilles. Voilà. Alors, je vais demander à... Est-ce que tu peux maintenant fermer la combinaison? Alors, il y a deux fermetures éclair. On va bien jusqu'au bout des fermetures éclair. Attends, je fais un gros plan. Voilà. Ok, donc là, il y a un endroit où il n'y a pas de fermeture éclair. Mais c'est pas grave puisqu'on a un velcro. Maintenant, tu mets bien le velcro à plat, bien à plat. Bien à plat. Non, non, tire, 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 tire. Voilà. Bien à plat. Bon, déjà, il y a quelque chose qui n'est pas normal, ce sont ces boucles qui sortent. Donc on les rentre dans le trou. On met le velcro bien à plat. Bon, déjà il est difficile à placer, hein. En plus, il est sur le côté droit. Ce qui signifie qu'une personne seule. Bon, alors est-ce que c'est bien fermé? Est-ce que c'est bien fermé? Alors, attends, je fais un gros plan. Ben non, ça peut pas bien fermer. Les abeilles passent par là. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux ouvrir le velcro. Tu peux enlever le velcro, s'il te plaît. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ici, elle passe par là, par le trou qui est juste à la fermeture éclair. Voilà. Donc, bravo la combinaison. Moi, ce matin, je me suis pris, je sais pas, une vingtaine d'abeilles dans la combinaison. J'ai été à l'hôpital, merci beaucoup, merci. Le fournisseur qui a fait ce vêtement, je le remercie énormément. Enfin, c'est un modèle à revoir et à refaire. C'est vraiment pas étudié intelligemment, hein. Vraiment, vraiment pas. Ok, merci.